C'est la famille, j'espère que vous allez bien. Toi, tu demandes que à la famille s'ils vont bien, mais moi, tu me demandes jamais si ça va bien. Quoi, ça va, t'es le big. T'es le big, donc ça va. T'es le big, t'as bien mangé, donc ça va. Aujourd'hui, on va essayer de passer une petite journée à la plage, voir comment c'est la plage du bled, tout ça, tout ça. C'est parti. Il y a des requins. Hein. Le requin 9-2. Bon, les amis, on va demander un sphinge. Est-ce que tu connais les sphinges? Lui, je l'ai dit, il faut l'appeler le big. Moi, j'aime, big. J'aime bien manger. Bon, c'est regardé, ça, c'est deux dinars. T'as prendre un sphinge? Ouais. Il y a du sucre dessus. Deux encore? C'est quatre. C'est deux, non? Deux. Quatre. Deux dinars. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Un dinar. Ah, c'est 1 euro ça. Attends. Non, la distance c'est 1, c'est 1. En fait, il a dit que lui, il a travaillé en Algérie, mais il le payait grave pas beaucoup. Ça veut dire qu'ils lui ont dit de venir en Tunisie pour gagner un peu plus d'argent. Tu sais, il voulait m'en offrir un. Il a dit, on vous en offre un, les Algériens, vous êtes comme des frères. Et moi, j'ai dit, ça ira, je suis au régime. Moi, je suis au régime, c'est... Non, moi, je... Mon tonton, il me dit de goûter, mais je peux pas, tonton, il me fait les abdos. Je peux pas. La mer du bled, c'est un truc de ouf, parce qu'il paraît, il y a des requins et tout. Non, en Tunisie, il n'y a pas de requins, je crois. T'as un ouf, toi. Viens, on va regarder l'eau, si elle est sale et tout. Enfin, pas sale, vous connaissez, c'est la mer, quoi. Mais s'il y a des algues, s'il y a des trucs comme ça. Des chameaux. Ouais, il y a des chameaux, après, on va essayer de les filmer. Wow. Ça va être un truc de ouf, regardez l'eau, comment elle est. Il y a des algues bizarres. Mais c'est le début, c'est normal, Yassi. Peut-être je vais y aller tout à l'heure. Viens, on va regarder le dromadaire. Pourquoi personne se baigne ici? T'as-tu quoi? Viens ici, personne se baigne. Ouais, c'est vrai que là-bas, à gauche, la famille n'a pas regardé. Il y a grave des gens qui se baignent. Là-bas, grave des gens qui se baignent. En fait, ici, je pense que ça doit être interdit. Ouais, à mon avis, ici, il doit y avoir des trucs. Viens, on va regarder les dromadaires. Par contre, fais gaffe, t'approches pas trop près. Si tu mets un coup de sabot, t'es mort. Hein. Regardez un petit dromadaire, tu peux monter dessus, machallah. Et là, franchement, c'est super beau. L'eau, elle est chaude. Hein. Elle était dans l'eau, elle est super chaude. Là, c'est le mini. Lui, c'est son fils. Salam alaikum. Salam. Plus tard, Inch'Allah. Plus tard. Ils sont beaux, hein. Mashallah, ils sont beaux. Regardez ce qu'on vient de trouver, les gars. Non, bah non, bah, t'as un ouf. Wow. Toi, t'as un ouf, moi, je fais pas ça. Tu fais pas le parachute? Non, ça ira. Toi, tu moi, fais je pas. Fais. Non, puis on fait jet ski à la place, non? C'est 80 euros par personne. Mais vous êtes des ouf. Que des bagues. Eux, c'est des ouf, ils veulent faire 80 euros. Il est intelligent, il met une patate et il convertit sa mère. Ils veulent faire 80 euros pour 1h30 de jet ski, mais c'est trop long, 1h30. Non, 1h30, moi ça ira. On fait 15 minutes, non? Ouais, 15 minutes. Tu veux t'accélères comme ça? Tu veux pas faire que des accélérations? Non, mais c'est 80 euros par personne. Mais non, mais vous avez demandé 1h30. Non, mais c'est 15 minutes. 1h30, c'est trop. Bah oui, c'est trop, c'est leur roma. Voilà, ouais. Regarde comment ils me regardent à droite, le dromadaire. Ouais, le dromadaire, il est fixe. Est-ce que vous voulez, on va dans l'eau? Oui, on va y aller après. Tu m'attends, je vais voir les jet skis. Regarde un dromadaire là. Oh, le malade, lui il aime trop le risque. Il dirait un brocule, dépêche-toi. Ouais. T'as vu, je t'ai dit. Non, je pense qu'il donne quelque chose à manger. Viens. Ah, il a dit, il pense que tu veux donner quelque chose à manger. Il mange quoi lui? Il mange quoi? Il mange comme ça des graines, des pieds. Ah, il est herbivore. Omar, c'est un malade, il veut mourir. Est-ce que on tu arrive au jet ski? J'ai juré, wallah, il y a 5-6 ans que je fais plus jamais de ma vie ça. La banane. Ça, je peux pas le faire. Il s'était tué. Dites que je suis un bouffon, ce que vous voulez, moi je le fais plus. Tu tombes au milieu de la mer, faut retourner la banane, c'est mort. Là, on va regarder les jet skis, ils nous parlent des 80 euros 15 minutes, alors qu'on était venu il y a 4 ans, on payait 20 euros. Ouais. On vient de demander pour le jet ski. Ah, ils veulent trop nous faire. Ils sortent des 80 dinars, je sais pas quoi. Nous, en fait, on n'est pas des crevards, on est des maxi-crevards. Donc tant que ce sera pas cher, on fera pas. Je voulais dire, on n'est pas des crevards, on est des gens qui... On est des maxi-crevards. Et là, on va consommer, c'était gratuit, c'est-à-dire la mer. On va tester la mer. Pour l'instant, la meilleure mer que j'ai vue, c'est en Espagne. Ouais, ça va, elle a l'air d'être bien.
elle a l'air d'être super bien, mais il y a du chelou par terre. J'aime pas la... Moi, j'ai dit, j'aime pas la mer. Il y a trop de trucs bizarres par terre. Et ouais, moi, j'ai mis ça, les gars. A few moments later. Là, t'as réglé la douche, j'arrivais pas hier. Tu sais pourquoi tu l'as arrivé pas? Ouais. Parce que t'avais mis dans ça, là. Les degrés, t'avais mis 58 degrés. Il n'y a pas d'eau chaude. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'eau chaude, on doit se toucher à l'eau froide. On doit se toucher à l'eau froide. Ouais, t'es pas trop au courant de ce qui se passe, toi. Hein. Déjà, frère, le mec qui m'a vendu la carte, oh là, il vient de m'appeler, il m'a dit j'ai pas ma carte d'identité. Et ta carte d'identité, tu l'as oubliée là-bas. Donc j'allais la récupérer, frère, ils m'ont la volée. Mais ça y est, t'as plus de carte d'identité, putain, ça y est. Ton identité, elle est au bled. Tu sais, le mec, il va faire quoi, ça se trouve? Il va prendre mon identité, il va aller à l'aéroport, il va prendre l'avion à ma place. Ton identité, elle est finie, hein. Je te le dis. Dépêche-toi de t'habiller. J'y vais. Donc là, en fait, t'as été acheter une carte orange dans le magasin que vous avez vu. Et t'as pas récupéré ta carte d'identité. Il l'a pris parce que quand tu vas à Orange, ils prennent ta carte d'identité. Il a fait les papiers et là, et je l'ai oublié là-bas. T'es un de ces imbéciles, c'est la base, ta carte d'identité au bled. Ah, ferme-la, toi, c'est bon. Hein. Ils ne rajoutent pas le couteau dans la plaie, là. Il répond pas, papa. Tu veux dire que t'as perdu ta carte d'identité? Arrête. Et crois pas, il va t'envoyer une photo, il va rien faire. Hein. Ça, c'est une vraie poucave, quoi. Non, je poucave pas, mais appelle-le et explique-lui l'histoire. C'est l'anniversaire surprise de ma tata. Surprise, surprise, elle sait pas. Ça va être grave marrant, regardez. Alors, comment ça s'est fini pour ta carte d'identité? Tu J'ai réussi à la récupérer. Wallah, j'ai réussi à la récupérer. Raconte comment t'as fait? En gros, il m'a appelé, il m'a dit ta carte d'identité, tu l'as oubliée, dépêche-toi de revenir à la chercher. J'ai cassé ma plus grosse halbat. Je suis arrivé. En fait, je crois qu'il a cru que j'allais lui donner de l'argent. Ah ouais? Ouais. J'ai pris ma carte d'identité, je suis reparti en courant. Il a été super gentil. Oh. Tu sais comment il s'appelle ou pas? En fait, c'est pourquoi. Fais-lui une 2-1. Hein. Qu'Allah lui accorde tout le bien pour lui. Parce que là, tu sais qu'il aurait pu prendre ta carte d'identité. Mais tu sais pourquoi, à mon avis, il me l'a rendu. Juste avant, j'ai pris un forfait 50 Go chez Orange. Mais je sais, on a vu. J'ai pris vidéo. Le plein pot, t'as vu? Du coup, il s'est dit, lui, t'as vu? Ouais, mais t'aurais pu tomber sur un mec pané qui t'aurait pris ta carte d'identité. Il aurait fait une identité. Dieu, il avait moi. Du coup, on vous laisse ça, la famille. De l'air.